Hey, salut vous! Comment allez-vous? C'est Mister Wouhou! Aujourd'hui, nous allons jouer à l'ukulélé. Attention, ça fait mal aux oreilles, je vais un peu bouger ma chaise. Je mets correctement. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai réinstallé mon Avair Media, mon micro Boya de 20 euros là, etc. Tout ce qui va avec. J'ai ma télécommande, machin, puisque c'est l'Avair Media Game Capture HD2 que j'utilise depuis belle lurette. Donc c'est du coup la qualité, ce sera non compressé, ce sera du pardon, excusez-moi, je répète, la qualité sera du 1080p 30 fps pas 60, parce que l'Avair Media que j'ai, c'est un vieux. Le truc qui est pratique avec cet Avair Media, mais en fin de compte que je n'utilise pas trop souvent, c'est qu'en fait, oh, tais-toi toi, ah, silence, silence. Attendez, on va aller voir ce con. Donc en fait, le principe de l'Avair Media, en fait, que j'ai, c'est que cet Avair Media, je sais même pas où il est. Ah, il est là. Non, il est pas là. Je l'ai perdu. C'est qui permet tout simplement de faire des montages. Il n'y a pas besoin de PC, en fait. Si vous avez un câble internet pour le connecter direct à votre box, vous pouvez vous connecter à votre compte YouTube avec un smartphone et tout ça, l'identifiant avec le code et tout ça, il me semble, c'est ça. Et hop, vous pouvez uploader direct vos vidéos pour les montages. Nouveau, si, si, concluant, marché. Chaque tome vous déverrouille. Après, je vais vous expliquer pourquoi je joue à ce jeu. Bon, déjà parce que j'aime bien. Oui, allez. Laisse-moi jouer. Non, le jeu va pas me laisser jouer. Oh, j'ai compris. Je sais, c'est la roulade. Allez, je suis pas teubé. J'en étais où? Donc, comme je disais, à part que cet escroc-là nous casse les pieds. En fait, si vous voulez, l'Avair Media, ici que j'ai, c'est un vieux, sinon à part ça, c'est l'Avair Media Game Car... Pardon, j'arrive pas à parler. C'est l'Avair Media Game Capture HD2. Et heureusement que je l'ai, cet appareil, parce que sinon je pourrais pas faire ce genre de vidéo que je fais en ce moment même. Et je pourrais pas faire de montage. Bon, le problème, c'est que moi, j'utilise quand même avec un PC, parce que, pourquoi? Parce que après, la vidéo que je suis en train de faire là, c'est sur un disque dur que j'ai enregistré sur l'Avair Media. Parce que j'ai acheté un disque dur externe Cristal. Non, c'est pas Cristal, c'est à peu près le même nom, mais... Citra, non, oh, je sais plus le nom. C'est un nom un peu comme ça, Mixal, Crucial, voilà, c'est le nom. De 120 gigas. Très bon disque dur pour enregistrer du bon HD, donc du coup c'est non compressé, c'est le maximum de qualité que je peux donner. Par contre, au niveau du micro, oui, ça sature peut-être un tout petit peu. Un petit peu beaucoup. C'est normal parce que c'est un micro Boya, c'est en fait une sorte de... comment on appelle ça? De cravache. C'est une cravache, quoi. C'est une sorte de... Vous savez ce qu'on met sur le... Quand tu fais un reportage, un micro que tu... une petite boule noire, je sais plus le nom, débrouillez-vous. Mais en tout cas, voilà, voilà, c'est ce que j'ai appris. Et du coup, c'est ça en fait qui me permet de faire de l'enregistrement audio. Et du coup, je fais tout en même temps, comme une grosse fainéasse. Tout est fait en temps réel. Le son, je l'ai mis à 7% pour pas qu'il fasse trop écho. Normalement, le son d'origine est beaucoup plus fort que celui que vous entendrez et vous pouvez entendre en écho. Pour moi, entendre quand même quelque chose. Hein. Et du coup, ça fait que vous aurez une qualité correcte normalement. J'ai checké, apparemment, ça va, c'est nickel. Donc voilà. Du coup voilà, vu que j'ai pas un bon PC, ben moi j'utilise mon Avair Media pour faire des vidéos. Et bien sûr, comme je l'ai dit, hein, j'ai une télécommande qui n'est pas celle d'origine. C'est une Sony, non, une Logitech Harmony 530, je sais plus, 530, un truc comme ça.
J'ai oublié le numéro de série, je sais plus si c'est 530, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est pas la télécommande d'origine, en fait, hein, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais voilà, c'est sur via votre compte Google ou autre compte, vous connectez, vous installez l'application, vous programmez avec une clé. En fait, c'est une télécommande programmable. Avec, vous avez d'autres, vous n'avez pas que la Vermedia là, vous avez d'autres télécommandes, d'autres moniteurs, d'autres télécommandes, pas télécommandes, programmes pour reprogrammer votre télécommande pour, je sais pas, imaginons vous avez un vieux, une vieille TV cathodique, j'en sais rien, hein, ou un autre Vermedia qui n'est pas du tout le même que moi, et que du coup cette télécommande ne ferait rien, ne fonctionnerait pas. Je sais pas, hein, ça se peut, c'est la même chose, mais. On va essayer de trouver un exemple pour l'explication. Et en fait, si vous voulez, ben, ça se peut, quand vous allez voir les programmes qu'ils proposent pour reprogrammer votre... recoder pour avoir le bon signal dans votre... via l'USB, votre télécommande. Oui, bien sûr, les touches sont assignables, je vous rassure. En fait, par défaut, il met les touches nécessaires. Mais vous pouvez ajouter vous-même des touches qui n'a pas. Ce que moi, j'ai fait parce qu'il n'y avait pas les trucs pour délecter... pour faire le FMOT 3, etc. Il y avait beaucoup de choses qu'il n'y avait pas. Donc moi, j'ai mis la totale. Donc j'ai tous les options. Et surtout que vous en doutez, vu que maintenant, je suis sous Linux, je suis sous Ubuntu, parce que j'ai de retour un ordinateur. Sinon, je ne verrai pas cette vidéo, hein, c'est simple. Si cette vidéo est postée, c'est que tout s'est bien passé, puisque je transfère ça dans ma clé USB de 64 Go. Je transfère sur mon truc, sur mon PC Ubuntu, et via ce PC Ubuntu, je transfère sur YouTube. C'est juste pour ça, en fait, que j'ai besoin du PC. Hein. Donc, en bref, si tu avais un câble internet, tu n'aurais pas besoin de PC. Et je vous dirais, tout à fait. Mais le problème, c'est que j'en ai pas. Enfin, si j'en ai, mais j'ai pas de routeur, ou il est en bas, parce que voilà, du coup. Je vis pas seul, enfin voilà, du coup c'est compliqué, vous comprenez? Du coup, ben, je suis obligé de me débrouiller comme ça. Le seul moyen que ça serait fonctionner, c'est d'acheter un répétiteur, donc un répétiteur Wi-Fi, pour ceux qui savent pas. Et là, à ce moment-là, ça c'est nickel, et je branche dans une prise, bon, sûrement pas dans celle qui est devant là, parce que c'est les prises des connes, c'est un machin qui bug beaucoup. Enfin, ça peu importe. C'est une vieille prise, truc de prise multicable noire, complètement buggée, poussiéreuse, n'importe quoi. Bon, ça m'a pas empêché de brancher ma PlayStation 3 dessus, je crois, mais ma PlayStation 3 elle se porte bien. Elle va très bien, elle vous dit bonjour. Ah oui, mais d'ailleurs, j'ai acheté un splitter aussi pour ça. Je vous ferai des let's play sur la PlayStation 3 aussi. Enfin, sincèrement, c'est pas vraiment des let's play, c'est juste. Bon, on va jouer. C'est juste des trucs comme ça, pour le plaisir de jouer et de faire des aventures. Par contre, je ne sais même pas ce qu'il m'a demandé, parce que je vous parle. Bon, comme je vous... Ah oui, j'allais vous dire aussi, ce jeu-là, je pourrais pas du tout... comment dire? Je pourrais pas du tout y jouer demain, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est un jeu Gold et mon abonnement se finit demain. Je sais plus à quelle heure, ils me disent pas réellement, donc du coup je sais que c'est à partir de demain que le Gold s'arrête. Je vais reprendre la semaine prochaine, lundi quoi, mais du coup ça veut dire que je pourrais plus jouer. Mais par contre, vous inquiétez pas, j'ai un autre jeu intéressant à vous proposer, les gens. Je vous montre ça direct. Regardez ce que j'ai là. Donc je vous montre tous les... Voilà, Biome Mutant. Je l'ai acheté, je l'ai réellement lui. Donc j'ai acheté à 30€ à Cash Converter, le CD est neuf, il n'a rien, au lieu de 60, donc voilà. J'ai le jeu, tout est mis à jour, voilà, tous les jeux que j'ai. J'ai Roblox aussi, je pourrais faire des vidéos sur Roblox, voilà, je vous montre un peu tous les jeux que j'ai. Voilà, comme ça vous voyez un peu tout ce que j'ai. Et ça, ah oui, une chose, une astuce que je vais vous donner. Sincèrement, si vous pouvez vous payer 7€ par mois par rapport à rien, ou que vous achetez quasiment aucun jeu et que vous dites ça me dérange pas de claquer 7€ par mois pour non seulement avoir le online mais aussi pour avoir des jeux gratuits à jouer, je vais vous expliquer un truc que j'ai l'impression que peu de gens le savent.
En fait, je vous explique, tous les jeux 360 sont gratuits à vie. Ça veut dire que quand, à chaque mois, sur un mois, en fait, vous avez 2 semaines, sur un mois entier, vous avez 2 changements. Donc, je m'explique. Donc, si vous voulez, en fait, le Xbox Live, ce qui se passe, c'est que pendant 2 semaines, vous avez une proposition de tel ou tel jeu, avec toujours un jeu 360 qui vous est offert pour toujours. Je vous expliquerai ce que ça veut dire par la suite. Et vous avez un jeu aussi, deux jeux, pardon, qui sont Gold. Eux, on le voit, il est marqué le signe Gold, et quand vous allez dans le store, ça marque comme quoi le jeu est installé et pas, vous êtes, et ça marque pas propriétaire. C'est la différence justement qu'il faut prendre en compte. En fait, si vous voulez, la différence, c'est que à chaque mois, c'est pour ça que sincèrement, moi, je trouve que c'est une perle de le Xbox Live Gold pour ça, parce que c'est pas cher, 7 € par mois, c'est pas beaucoup. Et aussi, vous gagnez des jeux gratuitement 360 à vie. Je blague pas. Ces jeux-là, ils sont pour toujours, hein. Vous, après, vous pouvez arrêter l'abonnement Xbox Live, il n'y a pas de problème, ces jeux seront toujours utilisables. Ils sont pour vous. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le Xbox Live, il n'y a pas le Gold, comme vous voyez. Et aussi, tout simplement parce que c'est, si vous allez dedans et que vous allez dans le store, ça marque propriétaire. Et propriétaire veut dire que vous êtes le détenteur du jeu, tout simplement. Donc ça, c'est une information que je vous donne parce que j'ai l'impression que peu de personnes ne savent. Donc Gold, ce qui se passe quand c'est Gold et installé simplement dans le store quand ça affiche ça veut dire que c'est des jeux qui ne fonctionneront que quand vous avez le Xbox Live active. Pour le fait que je vous dis, c'est pour ça que je vous explique que tous ces jeux-là que je vous montre, donc 1, 2, 3, pas Roblox, hein, 4 ici, j'en ai que 4, apparemment j'en ai que 4. Ces 4 jeux-là, ils ne fonctionneront plus quand j'aurai plus mon abonnement et quand il sera expiré, quoi. Donc demain, il expire le 19, mais je sais pas à quelle heure. Donc du coup, ça peut être n'importe quelle heure, ça peut être à 9 h, ça peut être à minuit. Donc voilà, enfin pas à minuit du coup, mais à 23 h, 22. Oui, parce que si c'est à minuit, ça veut dire que ça marquerait plutôt 20. Donc c'est avant minuit, quoi. Donc voilà, c'est pour vous dire ça, quoi. C'est pour vous expliquer ces trucs-là. Je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ne savent pas. C'est pour ça que moi je trouve que c'est bien le Xbox Live. Bien sûr, encore heureux. Biome Mutant, il n'est pas Xbox Live, Live God, enfin mon abonnement, donc. Donc ça veut dire que lui, de toute façon, vous voyez, il n'est pas marqué Gold. Donc du coup, lui, il n'y a pas de problème, je pourrais jouer nos saucisses grillées pour tous. Donc voilà, c'est comme ça, vous savez, vous voyez que j'ai déjà pas mal de petits jeux. Celui-là, je viens de le télécharger aujourd'hui. J'ai celui-là aussi que j'ai téléchargé les 2 semaines derrière, parce que c'est tous les 2 semaines en fait. Tous les 2 semaines, vous avez un nouveau jeu. Donc sur un mois, vous avez 6 jeux. Tous les mois, vous avez, donc à chaque fois, sur un mois. Vous avez 6 jeux en tout, 2 360 et 4 gold. Donc le jeu normal que vous pouvez payer plein pot, etc. Comme ça, vous êtes au courant. J'espère que ça vous a plu, ces informations. Si... Bon, après, la plupart du temps, personne ne regarde mes vidéos. Mais bon, voilà, comme ça, je voulais vous prévenir au cas où, s'il y a des gens qui regardent mes wouhou vidéos, vous êtes au courant de trucs, voilà, tout ça. Alors, en parlant de mon PC, parce que j'ai que ça à faire, c'est un PC vieux. Oui, c'est un vieux PC un peu pourri. C'est un Acer. Donc c'est un PC portable tout pourri. Il sert Intel. J'arrive pas à parler. Donc je vous explique. Intel. Non, ça c'est le processeur. Ça veut dire Intel Pentium T400, 4500. Mais non, ça c'est le processeur. C'est un processeur Pentium cadencé à 2,3 GHz. Mais ça, on s'en branle. C'est d'où le problème graphique en fait, parce qu'en fait, si vous voulez, je peux pas modifier la luminosité de mon PC. Youpi! C'est un Aspire 500. Pardon. Un Aspire 5736 Zen. C'est un Acer. Donc, comme ça, vous savez, c'est quoi le modèle. Donc, c'est un Acer Aspire 5000. 736Z. J'ai été voir et apparemment ces PC exotiques, comme pourquoi je dis exotiques. Ah oui, c'est 4 Go de RAM DDR3. Mais c'est, j'ai mis en swap 8, donc 8,8128, un truc comme ça.
pour faire le tout par multiplier par enfin on s'en fout de ma vie, c'est pas important. Du coup c'est dans ma tête tout ça, il faut pas faire attention. Et du coup voilà quoi, j'ai fait ça et du coup c'est trop cool, trop cool. Donc voilà, c'est tout. Et du coup voilà, j'ai essayé de régler mais j'ai pas moyen. Donc ici le seul problème que j'ai avec ce PC c'est la luminosité qui est à fond. Après ça va, ça fait pas non plus. Vu qu'on peut mettre le mode noir, ça passe. Mais disons que par exemple pour Krita, quand je veux faire du dessin, je suis obligé de mettre une couleur plus grisade pour le fond par exemple, qu'habituellement je le laisse en blanc, vous voyez. Ouais du coup c'est con parce que sinon ça crame les yeux, vous êtes en mode mes yeux. Parce que sinon la dalle n'est pas de mauvaise qualité, ça va, elle est correcte. C'est pas non plus avec, c'est une dalle TFT. Ça va, c'est correct. Hein. Pas d'inquiétude à ce niveau-là. Mais c'est juste que comme ça, bon bah voilà, c'est la vie quoi. Ouais c'est tout, voilà. C'était pour vous tenir au courant un peu du niveau de la chaîne. Et qu'est-ce qu'il fait? Oui, comme vous avez remarqué, je ne fais rien du tout. Ah ok, oh, il m'a bouffé. Donc ce jeu-là, je ne pourrais plus y jouer à partir de demain, un truc dans le genre, mais c'est pas grave. J'ai aussi téléchargé un autre jeu, c'est Pokémon truc là. J'ai eu peur parce que, en fait, je me suis dépêché, c'est juste pour ça que j'ai installé directement, c'est pour récupérer un Pokémon que tu peux qu'avoir en août, une sorte de chat anthropomorphe trop stylé. Je sais plus son nom. Hein. Du coup, c'est lui que j'utilise dans les combats. J'ai déjà défoncé pas mal j'ai pas mal de plusieurs fois gagné. J'étais même étonné par le fait que je défonce tout le monde avec ce chat. Il est trop stylé. Du coup, voilà. C'est Mister Boubou sur mon jeu. Donc comme ça, si vous m'avez une fois vu passer, bah, c'est moi. Coucou. Après, c'est peu probable parce que j'ai fait que deux parties, donc c'est pas probable. Mais bon, disons que j'ai pas mal défoncé tout le monde quand j'ai joué. En jeu 2, on avait terminé la partie, quoi. Je suis peut-être un peu trop mou et puissant pour les gens. C'est la force des doudous mania, je pense. Nous sommes trop doudouifiés pour l'univers. Donc l'univers s'inverse et tout l'inverse est mis du monde dans l'univers total de votre à la moite-moite. Oui, je pars en vrille. J'essaie surtout de dire de la merde, mais c'est rigolo parce que voilà, c'est marrant de dire des conneries. Alors, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais vu que j'ai 128 gigas d'espace, bon, de base c'est pas 128, c'est 117 ou un truc comme ça avec le truc, mais vous avez compris, ça peut durer longtemps l'enregistrement, hein, sincèrement, puisque c'est un disque dur crucial de 120 gigas, donc vous inquiétez pas, il y a le temps, je serai pas coupé, hein, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Et ma clé USB pour info, c'est une de 68 gigas. Et j'ai quelques trucs, j'ai mes bourrous musique de Gab the Dog dedans. Ça fait que 400 MB. Mais en tout, il me reste 58 ou 57, 56 gigas. Donc vous pouvez vous en douter que pour enregistrer des vidéos, je peux même faire une vidéo de 2 heures avec l'ukulélé. Ce que je vais peut-être faire en fait, je sais pas. Parce qu'on va rester un petit moment ensemble, parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop. C'est quoi, ça? What? Qu'est-ce que tu es? Alors, il dit qu'il a faim. D'accord. Bah, va saucissonner des saucisses grillées pour tous. Ou ne pas intéressé. Voilà, on vous fera des vidéos sympas. Aïe, je suis une merde. On fera de longues vidéos très très wouteux, tout ça. Merci. Donc voilà. Utilise la technique que j'ai vue avec Electronica. Non, en fait, ça n'a rien à voir avec lui, c'est juste que je l'ai vu et je m'en rappelle en même temps que je savais qu'on pouvait faire ça. C'est une technique de triche pour aller plus vite, vous faites choup. Et voilà. Et du coup, bah, vous allez plus vite. Après, sincèrement, par rapport à lui, parce que lui, il me semble qu'il avait joué sur Switch, je crois. Du coup, nous, mais il y a une limite de temps. Ah oui, on peut pas faire ça éternellement, en fait. Intéressant. Ça, c'est intéressant. Et pour reprendre l'énergie, du coup, il faut tuer des papillons, d'accord. Ah non, ça se remplit au bout d'un moment. D'accord, ça, c'est une sorte de...
de trucs, je ne sais pas quoi, de nuages bizarres. Ah oui, pour info, je joue tout sur un écran de merde, hein. Je joue sur une TV maintenant normale et très correcte, qui me permet de faire des vidéos de jouer en conditions de ouf, quoi. Parce qu'habituellement, vous vous en souvenez, je jouais toujours dans des conditions de merde. Et du coup, c'était pas ouf pour moi pour vous faire des vidéos et tout ça, parce que je jouais vraiment dans des conditions qui étaient pas du tout agréables pour moi. Je jouais sur un petit moniteur de 7 pouces et tout ça parce que j'avais rien d'autre. Non, ici c'est fini ça. J'ai une TV de la marque LG, c'est une vieille, hein, c'est une de 2010-2011, hein, il faut pas rêver. Je vais payer, donc elle m'a pas coûté cher. Et du coup, en fait, c'est une TV qui fait 32 pouces. C'est une HD, Full HD. Donc voilà, c'est du. C'est pas du IPS, hein, c'est du LCD. Hein, LCD LED. C'est de la bonne qualité, hein, c'est du LG. Donc voilà, c'est une vieille TV de ce type-là. Vous voyez un peu l'idée. C'est une TV de 2011, 2010, 2011, un truc comme ça. C'est une très bonne TV. D'ailleurs, quand j'ai remarqué que c'était encore la même, il me semble. Et du coup, voilà, comme ça, vous êtes mis au courant, en fait, de ce que j'utilise comme support pour mes vidéos. Ce qui me permet, du coup, de jouer correctement, en fait. Parce que je me dis, voilà, il faut quand même minimum pouvoir avoir de la qualité et pouvoir jouer correctement. Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Ah. Oui, on s'en fout. Je vais défoncer les gens, c'est ça? Apparemment, oui. Bon, bah, on va défoncer sa gueule. C'est un peu mou. Yes, ah, il n'y a pas d'autre truc. Je croyais que la page allait nous parler ou quoi, encore raconter sa vie. Donc voilà, vous êtes mis au courant, je vais recommencer des vidéos comme ça, des displays et tout ça. Bon, ici, l'ukulélé, je prends autant de temps possible parce que je sais que... Oula, je me suis pété la gueule. Je sais que par la suite, bah, je vais plus pouvoir y jouer pendant une semaine. C'est pas mort, hein. J'ai d'autres jeux, hein. C'est pas la fin du monde. Surtout qu'il y a un autre jeu qui m'intéresserait de vous montrer, mais pour ça il faudrait que je branche mon PC. Ouais, mon PC, pas ma Switch. Pas l'autre truc, parce que l'autre truc c'est ma tablette 3 et ça serait compliqué de vous filmer avec la tablette 3, trop complexe. Donc en bref, c'est pour vous montrer un jeu. C'est Pokémon MMO en fait. Il vous faut les ROM, il faut 5 ROM. 3 de DSI et 2 de GBA, et en fait avec grâce à ça vous pouvez jouer en online sur ces jeux là, donc Pokémon Platine, Pokémon Argold, Pokémon Noir et Blanc. La Noir et Blanc est nécessaire, les autres sont optionnels, donc moi j'ai mis tout. Vous avez Feu Rouge aussi et Emerald, voilà, c'est toutes les ROM qu'il faut pour pouvoir jouer. Il faut les mettre dans le logiciel.
Vous avez aussi l'APK pour Android, c'est ce que j'ai fait, je l'ai récupéré, mais il n'est pas sur le store de Google. Il faut aller récupérer sur le site officiel de Pokémon.emu, Europe quoi, Pokémon.Europe. Pokémon MMO, pardon, point Europe. Excusez-moi, j'ai oublié le MMO. Donc Pokémon MMO tout collé point Europe. Et alors, en fait, vous pouvez downloader sur tout quoi. Et pour la version Ubuntu, en fait, il était sur le store d'Ubuntu à l'aise, tranquille. Donc du coup, j'ai récupéré là et ça fonctionne nickel. Ça tourne correctement, bon ben voilà, c'est pas un PC graphique, mais ça va, ça tourne correctement. Moins fluidement, c'est clair à 100% que sur ma tablette 3, qui est une tablette 3, qui est un Snapdragon 820 et 4 Go de RAM DDR4, mais ça on s'en fout de la DDR4, c'est surtout la fréquence qui est techniquement, disons que c'est pas la même chose, et le niveau d'optimisation d'Android est beaucoup plus mieux fait au niveau des émulateurs et des traitements applications. L'application est mieux optimisée, sincèrement ça je vous le dis, que la version PC, ça c'est clair pour certaines choses, ça c'est sûr. L'interface est plus belle sur la version tactile, la version tablette ou smartphone, hein, peu importe. Il y a des beaux effets. Comme par exemple la vie des Pokémon qui fait une sorte de rond. Je trouve ça stylé sur le côté dans les équipes. Quand vous aurez le jeu, vous comprendrez de quoi je parle. Vous verrez plus tard quand je ferai une vidéo dessus. Et du coup, c'est stylé quoi. Je trouve ça donne un style assez sympa. J'avais proposé à un pote peut-être d'y jouer, mais il s'en fout. Ça n'intéresse pas. Je suis un peu déçu. Donc tant pis, hein. J'y jouerai seul. Par contre, il veut bien jouer à Minecraft. Ouais, mais le problème, c'est que il faudra jouer peut-être à Minecraft. En fait, Minecraft, je dois d'abord vérifier qu'il tourne bien, correctement, avec la Vermedia qui filme. À ce moment-là, ce sera faisable. Mais pour le moment, j'ai dit que c'était annulé parce que je lui ai dit que c'est pas possible. Parce que j'ai pas encore vérifié. Mais je ne sais pas. Il faudra que je vérifie avec la Vermedia puisque je vois que la Vermedia fonctionne nickel. J'ai vérifié, mais en tout cas pour le moment je lui ai dit que c'était annulé, voilà. Mais sinon on avait prévu de faire des vidéos ensemble. Donc du coup, Joss, si tu regardes ma vidéo, je pense que non, elle est trop longue pour toi. Mais voilà, on avait prévu de faire ce genre de trucs. Mais en tout cas, par contre, Joss, si tu installes la version Windows 10, c'est faisable. Mais c'est la version Windows 10. Ça, il faudra que j'ai l'abonnement online. Oui, c'est ça qui est chiant avec Microsoft. Et Minecraft, la suite, c'est qu'il faut absolument un abonnement online. Vu que ici, vous aurez plus, ce sera pas faisable. Bon, par contre, la semaine prochaine, ce sera peut-être faisable. Mais je sais pas s'il y a le PC à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit que j'avais plus, c'était mort. Parce que c'est pour être sûr d'être tranquille à ce niveau-là et de me dire, bah, de toute façon, on mais voilà, c'est pour être tranquille à ce niveau-là et d'être. Parce que je suis pas sûr en fait que j'allais l'avoir. Donc, j'ai préféré me mettre en mode annulé. Mais voilà, sinon voilà, on a prévu de faire des vidéos lui et moi ensemble aussi plus tard. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que moi, ça va pas m'empêcher de m'offrir la Xbox Series S par la suite. Oui, parce que j'aime bien me l'offrir. C'est dur. Vous allez me dire pourquoi tu n'achètes pas la X. Bah parce qu'elle est. Elle est 200 euros plus chère. Et sincèrement, en fait, si je veux la Xbox Series S ou la X ou la PlayStation 5, c'est pour les shaders en fait. Oui, je sais, c'est débile, mais c'est juste. Parce qu'en fait, si vous voulez, de base, j'avais appris à ma soeur la Xbox One. J'avais acheté pour justement l'annonce de Minecraft avec Shader Dopper Pack machin. Shader HD machin truc plus là que Microsoft avait annoncé et qu'ils ont annulé plus tard. Du coup, vu qu'ils ont annulé, moi j'étais dégoûté. Du coup là, t'as le RTX qui est sûr à 100% pour les deux. Je me dis, oh putain, je vais devoir mettre 330 euros de côté. Donc c'est même pas encore fait, j'ai aucune thune de côté parce que j'ai beaucoup de mal à mettre de côté. Mais voilà, je vais essayer de vraiment mettre de côté parce que j'aimerais bien pouvoir vous faire des vidéos mais avec Minecraft, avec les shaders tout le temps activés parce que c'est trop beau. Je suis accro aux ondes reportées. Donc aïe, c'est pas mal.
Ah mais... Saucissonne, je crois. Je sais pas. Et la truffe, tu la récupères pas? Non. Oui, je crie bizarrement quand même. Parce que j'ai pas envie de crier. Je sais même pas si mon micro. Bah, je sais que mon micro il sature un peu, hein, un peu beaucoup peut-être. Mais c'est parce que j'ai rien d'autre en fait pour. Et je facilite les choses quoi. Je vérifie que la Verve Media. Oui, mais de toute façon, normalement, il est censé enregistrer éternellement puisque. Enfin, éternellement. Je veux dire. Oh putain. Bon, par contre là, si j'arrive pas à savoir le truc, je vais tomber. Et comme par exemple là, je vais. Par contre, je suis à moitié mort, ça c'est pas grave. Bah, je vais. C'est pas marrant. Non, je vais me faire foutre. Ça marche. On va aller se faire foutre. Trop cool. Oui. Pas dire que je devrais sauter sous les lignes. Non. Ah. Bon bah tant pis. Hein. Ah peut-être plus. Voilà. Ok, c'est génial, j'ai perdu de la vie pour rien. Par contre, quand tu tombes, tu te fais pas mal. Je crois qu'il y a la logique. Ouais, la manière qu'ils ont fait que je tombe, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Ça fait un peu mou. Je vais récupérer des vies déjà. Non, je récupère des vies là, je suis occupé de me recharger. C'est un bon jeu. Bah, c'est surtout que j'ai jamais joué hein, personnellement à l'Ukulele, ni le 1 ni le 2. Donc du coup, j'ai découvert quelques vidéos. Putain, mais je suis mamie. J'ai découvert quelques vidéos. Ouais, j'essaie de trouver l'angle où je suis bien, mais j'arrive pas. J'ai trouvé quelques vidéos et tout ça du jeu. Mais voilà, j'y ai pas vraiment joué moi-même personnellement. En fait. Ça, c'est clair et certain. Je n'y ai jamais joué personnellement. Alors moi j'aime bien faire ces petites vidéos qui sont longuettes. Je me dis ça peut intéresser des gens qui bouffent ou qui sortent comme ça et qui veulent se taper des vidéos qui sont ultra longues. J'aime pas les vidéos qui durent que 20 minutes en fait pour le gameplay. Parce que en fait t'as pas le temps de jouer en fait. Tu dois à chaque fois. J'ai du mal avec ça. Donc moi je préfère faire jouer autant de temps que je veux et après au pire soit je cut, soit je laisse comme ça, rien à faire. Mais voilà. Au moins, là je galère comme vous voyez. Au moins je joue pas mal d'heures quoi avant d'annuler, d'arrêter quoi. Parce que la mort j'ai toujours. Oh bordel de merde. Ah ça y est. C'est cheaté, mais ça marche.
pense que c'est pas cheaté, en fait c'est ce que les développeurs voudraient. Donc arrête de dire des conneries, petit ouh. Comme si tu étais cheaté du cerveau. Dites-lui qu'il est mou. Il va se calmer rapidement. Tu es mou. Et où se calme rapidement. Il veut descendre un cran. Si si. Oula. D'accord. Hop, putain de merde. Ça fait plus tard. Ah, je me rappelle de tout ça. Ah. Voilà. Ça y est, j'ai toutes mes vies. Je suis heureux d'avoir toutes mes vies. Je suis un homme comblé. En tout cas, le jeu est beau graphiquement. Hein. Je rappelle, on est sur Xbox One. Bon, je pense que oui, on voit hein, qu'on est sur Xbox One. Hein, donc, je vais vous prendre pour les cons, MDR. Donc, du coup, voilà. Oui, c'est pas la Xbox Series S ou la Xbox Series X ou la PlayStation 5, bande de Margoulin. Ou pour. C'est déjà pas mal, la Xbox Woos One. Elle est tout mou, comme Woo. Comme l'avatar de Woo. Regarde ce joli Woo tout mou. Oh oui, c'est bien de lui qu'on parle au-dessus. Il est très très doudouifié. Oui, il est la marre de nous bannir. Ouais, parce que sur Xbox One, c'est Mister Woo 136, 135, je sais plus combien. Attendez, je sais plus. Attendez, on va voir. Application. C'est quoi encore? Voilà, c'est Mister Woo 1354. Voilà, Mister Woo 1354. Et regardez ce magnifique Woo doudouifié. Il est magnifique, non? Le beau. Il est si beau. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait de lui? Oui, oui. Ah merde, j'ai pas entendu. Ouais, on pourrait toc. Bon, ok, j'arrête. Oui, je sais, je conduis en arrêtant. Non, c'est juste que j'ai des tocs qui se préparent, qui se fait, donc du coup, je dois faire un nombre de fois. C'est maladif. Oui, je suis dérangé du cerveau et en plus j'ai des tocs, c'est génial, non? Est-ce que vous m'aimez? Aimez-moi, s'il vous plaît. Je suis bourré de tocs. Est-ce que vous aimez ou vous buguez? Est-ce que ça vous dérange pas de voir un ou sur un plafond? Sincèrement, c'est bugué, hein. C'est pas le passé. C'est comme ça qu'on fait. Faites confiance à vous, professionnel, depuis 1989. Oui, il faut leur sauter dessus, je crois. Bah non. Bah, c'est bizarre ça, parce que du coup, qu'est-ce que tu veux? Bah non, je comprends pas ce que ils ont foiré le jeu, je crois. Pourquoi vous toujours coincé dans les jeux? À chaque fois où c'est parce qu'il est trop mou. Dégage la bouche, hein. C'est parce que vous êtes trop mou, hein. Fils de Woodifié.
Ouais, bah, je sais pas, ils ont mal codé les jeux, je sais pas, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent de moi? On va partir au principe qu'il faut peut-être un truc en plus ou une couille comme ça. Ah, ils trouvent vraiment crevé en fait. D'accord. Bon, bah, maintenant on le sait. C'est bien d'apprendre les choses. Ouais, on se suicider. Est-ce que vous, ça vous plaît de vous suicider tous les jours? Comme ça, ils sont bons. Oh pardon, ils sont wouhou. Comme on dit, on s'en wouhou flaquette. C'est quoi ça? Ah, c'est comme ça. Oh putain de merde. Tout le monde aime tuer. C'est parce que j'ai tué. Ah putain, ça est pas vu toi. Persona. Nique ta saucisse grillée. Ah, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est enculé, il dort en fait. Hey, réveille-toi. J'ai compris, je vais me faire foutre. Voilà à quoi ressemble le gameplay en fait. C'est au bout d'un moment tu comprends que je sais pas quoi foutre. Ah, on a déjà été là. Et du coup je joue pas au jeu, je me dis bah il était cool. Là c'est tout, je sais pas qu'est-ce que tu dois faire. C'est bien les shaders. C'est pour ça que je préfère cette version là que la version Switch, parce que les shaders sont plus forts, sont plus prononcés. Que sur la Switch ils peuvent pas faire ça parce que c'est ça pompe. Ça leur vient. Pardon, je vous prie d'entendre dans mon bureau. On dirait plutôt vieux temple de Rouillé. Rouillé. C'est vraiment, ne faites pas attention. Les meilleurs designers sur le coup, la grande farce. Bref, vous êtes sûrement ici pour les célèbres manques d'œuvres avancées de Trondheur. On aurait bien besoin de nouvelles techniques de Trondheur. Splendide, rien que pour vous, mes amis, vous apprendrez une tuerie pour seulement plus 30 plumes à faire. Attends, une seconde, je croyais qu'on avait marché. Hein? Déverrouiller les mondes, tu nous files des trucs gratos. Mes techniques gratuites ne sont disponibles que dans la ruche. J'en ai peur dans les mondes des tomes. Le business. C'est le business. Dites-moi. C'est que vous cherchiez une remplie formulaire. Ouais, vous savez quoi, on va arrêter parce que je pense que ça doit vous casser des couilles. Surtout, il était bien ce genre de voix pour le. La souris. J'ai raté. Bon, alors sonore d'attaque. Ça, c'est pas tablier quand on... Ça a l'air cool. Autre chose, vermisseau.
Ça a l'air, merci. Oui, je fais des... C'est génial, quoi. Ok. Après, je sais pas si c'était le truc là que je vais prendre ou autre, on s'en fout, hein. Je teste pas tout. On va récupérer d'autres trucs, on va récupérer tous les... De toute façon, tout est récupérable, hein, donc... Je pense pas que tu peux être bloqué dans le jeu à cause de ça, quoi. Ça m'étonnerait pas vraiment. Bien essayé, connard. Bande de calculettes. Le jeu est beau graphiquement. Oh, je suis dit. Le mec qui se répète toutes les 5 minutes. Le jeu est beau graphiquement. Je l'ai déjà dit il y a 2 heures, n'est-ce pas? Pas 2 minutes. Enfin, un peu plus que 2 minutes, mais on se comprend. Au pire, j'ai une meilleure idée. Vous avez des yeux? Ben, tu les élèves. Voilà. C'est gratuit. Voilà, là, je sais ce qu'il faut, je l'ai pas pris. Ah, donc en haut, c'est ça qu'il faut, je savais. Mais c'est parce que j'ai pas le pouvoir. J'avais dit que c'était ça, mais bon, je pouvais pas me baisser. Je pouvais pas faire des... Enfin, des trucs pour faire des attaques avec le cucu. Est-ce que tu es censé être? Respire. Respire, Capitaine Azim. Mes autres morceaux sont été esparpillés par la proximité. S'il vous plaît, trouvez mes 3 autres morceaux pour me reconstituer. Oh, la pauvre me tend très fort. On va t'aider pour récupérer. Ça ne devrait pas être un jeu moderne. Yuka, les objets de collection devraient être complets. Ouais, je suis mis en intonation. Surtout que je sais pas, je perds le truc. J'essaie d'avoir un peu le style à la pourciner. Vous voyez, c'était pas le fait. Faudra que j'essaie de trouver. Je vais taper. De quoi il faudrait que je trouve un truc. Attends, on se rend le jeu. Sympathique, les shaders sont ombre portée comme ça. Déjà, un peu mal. J'entends un bruit de quelque part, je sais pas où. Où es-tu, petit bruit bizarre que j'entends mais que je ne vois pas? Ah bon? Il n'y avait que lui? Bon, on va tout le monde récupérer une sans faire.
Ah oui. Coucou. Ah, ma plume. Allez. Alors après, terminer le monde si en sur ça va être compliqué, on est d'accord. Mais le but c'est juste de passer un bon moment ensemble. Enfin ensemble. Surtout tout seul avec moi-même. Trop cool. Voilà, donc voilà. C'est une chose de faite. Vermisson, apprends-nous quelque chose de cool. Bien sûr. Ouais. Est-ce que c'est ta à ta main rouge? Je ne sais point. Je ne sais pas ce que je fais de toute façon la plupart du temps. Je suis en mode rouge dans ce jeu. C'est pas fou. C'est quoi ces trucs? Ça sert à quoi? C'est un décor? Voilà. Ouh, il y a quelque chose. J'avais pas pensé à ça. Je pensais vraiment que c'était de la décoration en fait. Je blaguais en fait quand je disais qu'il y avait. Ah bah oui. Waouh. C'est vraiment différent. Et là il y a quoi? Voilà. J'espère que ça vous a plu, ces petites promenades génioblissimes. C'était vraiment très très waouh, c'est l'endroit le plus beau et le plus merveilleux que j'ai vu dans ce jeu. C'est vraiment secret. Même vous, vous n'en souvenez pas, il y a une potion de mémoire éjectée dans votre cerveau, tête, tout mou tout doux. Au moment où vous rentrez dedans, vous ressortez, vous oubliez que vous avez qu'est-ce qu'il y avait dedans. Voilà, la vérité c'est ça. En fait, il y a un truc ultra glauque ou merveilleux que vous ne pourrez jamais avoir. Et c'est pour ça. C'est au secret. Secret. Si, si. Je fais confiance à vous tout le monde. Il a toujours raison. Avec des saucisses. Oui. Pour tous. Vous ne comprenez pas ce qu'il fait. Il veut que vous êtes mieux. Très très beau. Et très très lumifié. Si. Gouvernez-vous de vous. Ouais. Je pète souvent des câbles comme ça. Donc sincèrement, si vous aimez bien les gens qui ont des problèmes psychologiques, enfin, logistiquement, bah, je pense que vous allez bien vous plaire sur cette chaîne parce que
Je pars souvent en couille, mais à un niveau un peu what the fuck, au point de faire bugger votre propre wouhou cerveau tout wou. Si si. Je speedrun le jeu. Non, je déconne, en fait c'est de la merde. Ce que moi je fais. Je ne sais pas ce que je fais, je vous l'ai déjà dit. Vous avez dit que je savais même comme j'ai ce que je fais et que je suis en boucle. Moi je pense que je vous l'ai déjà dit. Ah, c'est une entrée. Vous allez me dire, oui, mais t'as déjà passé par là. Oui, je sais, mais j'essaie de savoir. J'essaie de récupérer le reste, en fait. Des machins, mais c'est pas facile. Ouais, mais... Est-ce que c'est sautable, ce truc? Non, c'est transfertable, c'est pas mal. Ah, la farine. Moi pas trouvé. Oula, non, je ne vais pas là. Pas de caca pour moi. Ah putain, mais... Allez. Oui, allez. Ah. Il me dégoûte ce personnage. Je sais pas ce que je dois faire, mais au moins je sais que je dois faire. Je dois faire encore quoi? Se déclenchera, ou en tout cas j'ai activé la quête, donc s'il doit y avoir un truc qui est activable, c'est à dire qu'il y a une liaison script qui a activé un truc, mais ce truc on ne sait pas ce que c'est, mais on verra bien plus tard ce que c'est ce truc dessus. Est-ce que tout est compréhensible pour vous? Est-ce que vous avez tout compris déjà? Non? Eh ben non, c'est parfait, on va bien s'amuser. Alors wow. Ah. Oula. Ah, un bouton. Mouffle. Ah. Du Coca-Mania. Ah, je me pète la gueule. Bah, je pense qu'on a bien pas mal fait le tour du jeu, de la présentation du jeu. Bah, du jeu. C'est pas un vieux jeu, hein, je vous rappelle. C'est un jeu qui date depuis un bon moment, quand même. Mais bon, voilà, je disais que c'était sympa de vous partager de retour pour fêter ça un petit moment de ces choses-là. Oh.
Je lis, mais je vous dis rien. C'est la vitesse de lecture que je fais. Enfin, presque. Donc, en fait, ce personnage ne sert à rien, comme j'ai compris, parce qu'il n'y a pas de quête. C'est génial, il trouve des personnages qui ne servent à rien. Je ne sais pas ce que je dois faire. Je suis paumé. Je sais même pas faire l'attaque du bal. Donc du coup, je ne sais pas faire quelque chose autrement. Ah bah c'est mort. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir si on a débloqué tous les trucs paranormalement. Ah, il y a un truc en haut là. Ouais, on va pas tarder à se quitter parce que je pense que ça commence à être long, hein. Je pense que ça va faire déjà ouais, une heure qu'on tourne. Je pense qu'on a, ça fait au moins 40-50 minutes qu'on est ensemble. C'est pas mal quoi, je pense, pour vous montrer le jeu. Si vous avez pas mal vu à quoi ressemble le jeu, je pense que c'est suffisant. Je sais que mon Avermedia, il n'y a pas de problème, il tournera et je peux tourner des heures et des heures. Hein. Mais bon, je me dis que pour la démonstration, pour les fails, tout ça, c'est pas mal quoi. Vous avez vraiment de tout ce qu'il faut. Eh, mais on a combien de... On en a que 14, d'accord. Un four et déplacement. C'est un jeu assez spécial. 15. Il m'en manque 15. 15. Écoutez, pour faire 30, il manque 15. Est-ce que vous ne répétez pas? Est-ce que vous n'êtes pas vous de vous? Si. Je le suis sûr. Ah, voilà la vérité en fait. Il est vous de lui. Il est tout mou. Si. J'ai été vérifié. Là du coup les gens ils se posent des questions, ils disent de quoi ils parlent. C'est ça le truc, c'est que ça n'a pas de sens. Ce que je dis n'a pas de sens. Ça sert à rien, c'est juste rigolo. Ou pas, ça dépend qui. Ouais non, il n'y a rien ici. Ok, vérification, paix, là. Ah.
C'est quoi ça? What? Ok, ok. C'est spécial ce personnage. Hop là! Donc on va aller, je ne sais pas où. Oh, des fleurs, des feuilles. Quel joli fleur. Ouais. Je m'en bats les boules, flaquettes. De vous. Si. Ça vous existe. Merde, j'ai pas sauté. Ah. Ouh caca détecté. Un ouh tout mou tout doux. Trop mou. Vous êtes trop mou, monsieur. Soyez dédoudouifié, vous êtes pas mal. Êtes-vous ouh de vous? Si. Ça vous existe. Je ne sais pas ce que vous voulez, moi. Du coup, je clique. Est-ce que c'était faisable, ça? Enfin, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? C'est bizarre cet endroit quand même. C'est sûr que c'est un endroit qu'il faut aller. Oui, je sais, je suis très très commun. Je fais des trucs bizarres avec le jeu. J'ai l'impression que ça n'attire bien rien. Bon, bah, on a une belle vue du monde. Profitez-en, hein. Ben, en bref, je pense qu'on va se... Oui, t'es mal mis, là. On dirait un imbécile. Comme moi, c'est génial. Voilà. Waouh, le beau gosse. J'ai trouvé un moyen, genre... Comme ça, c'est pas mal. Comment on fait des captures? C'est pas ça. Oula, du calme, c'est moi qui manipule la caméra. Non, je me suis encore gouré de boutons. Là? Ouais. Alors, il faut appuyer sur Y pour capturer l'écran, ok. Donc on va essayer de trouver une bonne pose. Ils sont en train de péter les câbles tous les deux. Oh, ça c'est pas mal. Merde. Ah, je pense qu'on est pas mal. J'ai pris assez de photos de screenshot pour qu'on puisse... Oula. Doucement, il peut crever maintenant, je le sais. Voilà, j'ai pris assez de screenshots pour la miniature, en fait. On va essayer de se débrouiller avec ça. Et ce sera vraiment une des deux vraies miniatures. C'est pas genre le mec qui dit « Ah, je prends une miniature, ah, je prends ça pour faire une miniature !» Et après, mais tu vois le mec et tu vois autre chose carrément en miniature. Tu dis « Bah, bizarre, c'est pas une miniature en fin de compte. » Ah ouais. Non, ici, ce sera bel et bien une des deux. Parce que je suis une grosse fainéasse et que ça me facilite la chose. Je vais recevoir ces miniatures sur... c'est Xbox Live, donc ça va l'envoyer sur... j'ai bougé tout ça, ça a fait un bruit bizarre, on dirait que j'ai
très drôle. Alors voilà, bon ben, je pense qu'on s'est bien amusé tous. Mais j'aimerais bien essayer de retrouver, de récupérer dernier truc en fait. Vous voyez, pour voilà, c'est ce que je vous avais dit. Hein. Voilà, je viens de recevoir. Vous deviez l'avoir dû l'avoir entendu. Ça a uploadé mes screenshots. Vous allez peut-être en avoir deux fois, peut-être. Et du coup, en fait, c'est juste mes screenshots, quoi, que je viens de faire pour la vidéo. Du coup, tout se fait en mode automatique ou entreprise. Trop cool, trop cool. Voilà, voilà. J'ai rien à faire, du coup. C'est ou perfect. Non, non, mais c'est vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas où il faut aller, quoi. Tiens, le livre. Ah, on est au début. Oula. Oui, je fais des choses bizarres, comme vous avez remarqué la plupart du temps, et du coup, je me retrouve dans des endroits qu'il faut pas. C'est parce que je suis très très doudouifié, c'est pour ça. Hein. Les Wutubu et Toudou sont reconnus pour faire bugger l'univers entier. Ah oui, une histoire à raconter qu'une fois un Wutubu a fait apparaître un trou noir au Nouveau-Mexique. Ils ne font pas exprès, ils sont très très mous. Et toujours contents, très très doudouifiés. Comme celui-ci. Voilà. J'espère que ça vous de tout. Ils sont mous de même. Alors. Où il faut aller pour récupérer cette plume wouteuse. Moi, c'est une plume. Je veux cette plume. Donne-la-moi. Oh ah. Voilà. Deuxième capture. C'est très drôle. C'est très fun. Ah ben voilà, des coutumes. Oh trop cool. Ah oui mais il me manque 6 encore pour... oui j'ai vu instantanément. Il me manque encore 6 pour avoir ce qu'il faut pour récupérer les derniers trucs. Et ces 6, je vous laisse deviner, ils sont là. Eh oui, je l'ai dans les FFS. Est-ce que j'ai loqué le jeu? Ah non, il y en a encore au-dessus là. Parce que j'avais dit que j'ai peut-être loqué le jeu en fait. Ou j'ai pas écouté le serpent. Parce que oui, je suis une andouille. Ouais, attends, on va aller voir le serpent un peu. Donc c'était de la tape amicale, c'était le truc qu'il me fallait. Bon ben je me suis trompé. Ah, mais c'est quoi que je peux bouffer? Après je me nourris. Salut toi. D'accord. Nictama. Ici. Yes, j'ai tout mis. C'est quoi cette histoire de Bon, en bref, c'est un objet que je ne sais pas où il est. Enfin, me taper surtout. Me tuer, ça va être compliqué parce que j'ai toutes mes vies, mais. Enfin, okay, il me manque si peu, comment je peux en récupérer si je... Pour un mec qui allait arrêter, wow,
C'est impressionnant. Monsieur, vous êtes très très fort en arrêtage. Ah, c'était la gueule. Oui, je suis très très fort, merci, je sais. Je pratique ça depuis des années. Je dis aux gens que j'ai arrêté de jouer et je continue encore des heures et des heures. C'est une nouvelle technique pour faire croire aux gens que rien du tout, parce que ça sert à rien. Merci, au revoir. Le troll, tu sais. Et t'imagines, je coupe comme ça instantanément. Donc, quand même pas, mais bon, voilà quoi, c'est compliqué. La vie est compliquée, les enfants. Bah, le truc, c'est que j'aimerais bien, en fait, ou quoi. T'es pas demandé de te faire mal. J'aimerais bien récupérer tout pour terminer le jeu. Je vois une plume qui est là. En fait, elle est plus. Oula. Ah, j'aime pas cette caméra qui fait ça à chaque fois. Moi, je suis en train de me concentrer sur autre chose et d'un coup, hop, la caméra qui change de place. C'est génial. Marrant, il me semble là-haut. Plus que 15. Pardon. Ouais, c'est ça. Non. Ouais, je sais pas. Non, plus que 5, pardon. Regardez au-dessus. Comment on accède là? Oh non! Non, mais pourquoi tu dors toi? Oh. Shit. Ah, mais je vois rien avec la caméra, tu permets? On ne fait pas ça, petit enfant. Ah, le cahier. Oula, 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 oula. Merci. Ouh, regarde là-bas. Va chercher les trois, comme par hasard, il en a trois. Je sais pas comment j'ai un pouvoir magique peut-être, je sais pas. Ça veut dire quoi, pouvoir récupérer? Non. Voilà. Ouais, parfait. On va pouvoir terminer la partie. Non, en fait, on va rien terminer du tout, mais... c'est bien, on a... Oui, j'ai compris. Oui. C'est bon, je peux. Et, allez. Ouf. C'est le fameux truc, quoi. Voilà. Et ça c'est l'autre touche. Voilà, on a le machin qu'il faut. Donc... Oui, je suis pas très intelligent. Mais non, mais... Bon, alors, il me dit que c'est là. Ah. Mais l'autre, je le vois pas, il est où? Attends, j'essaie de repérer. Ah, il était là! Oh! Nom d'une saucisse grillée pour tous!
ennuyeux. Saucisse. Ah oui, allez en haut, du coup, on va terminer. Non, il n'y a personne. Donnez-moi des papillons machins qui sont Quoi? Mais je l'ai tapé avant. Oh. Saucissonnez-vous. Ben, c'est trop tard. Je ne sais pas du coup si j'ai perdu même. Non, ça va. Surtout s'il n'y a pas de. Il n'y a pas vraiment dans le nom ou quoi. Est-ce que j'ai perdu? Je vais voir. Du coup, je me suis fait tuer. Comment je vais tout recommencer, c'est ça? Ah non, même pas. Bon bah ça c'est pas difficile hein. Il y a pas vraiment de difficulté. On va là-bas. Ah non, enculé. Tiens, arrête de boire, Lucas. Ah, ok. Oh, enculé. Non, c'est Belle. Merci, bien, Lucas. Oui, celui-là que je manipule, j'ai perdu les données du coup. C'est Yuka. Et l'autre, c'est la chauve-souris, c'est le. Je sais pas bien le prononcer, mais on s'en branle. Donc, ouais. Du coup, je lui dis d'arrêter de boire parce que. Mais attends, c'est quoi ce bordel? J'avais vu un truc. On va pas me faire monter là-dessus quand même. Ah ouais. J'ai où le truc? Ah, mais il est là-bas. Bah attends, on va y aller en mode. Mode rectiligne. Je suis le seul à jouer comme ça, je pense. C'est bon, d'être en mode. Oui, c'est bon, je suis en mode moi aussi. Ah mais non, mais j'avais une invincibilité, je suis une invincibilité. Voilà. Bon, nique ta saucisse grillée pour tous. Saucissonnez-vous tous. Je vous appelle les Wouif. Yes, je suis arrivé. Oui, c'est parfait. C'est bon. Je suis arrivé. Je vais être un ici. Il est encore en vie, lui. Non. Ou pas mal, je crois.
Bon, ben on va se quitter là-dessus sur une défaite de ces deux noms-là. J'ai pas compris, il y a un truc qui manque, je sais pas quoi. En tout cas, peut-être qu'il faut faire un truc, mais je ne sais pas quoi. Hop. En tout cas, on va se quitter là-dessus. J'espère que cette petite vidéo sympa vous a plu. Enfin, petite, elle est grande, elle doit durer une heure et quelque chose. Mais c'était un plaisir de vous voir. Luca, tu es mal mis. On dirait un imbécile comme ça. Ça n'est pas possible. Mets-toi droit. Tu y étais presque, mon chou. Oh là là. Il me cherche. Non, c'est pas logique. C'est mieux. C'est plus logique comme ça, ouais. C'est plus correct. Donc je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sympa. Enfin petite du coup, elle était une grande vidéo, mais je veux dire, pour moi c'est un petit truc quoi, parce que c'est vraiment un let's play tranquille, détente. Et je vous dis à bientôt et portez-vous bien et voilà quoi. Donc c'était Youkalele, premier du nom. Comme j'ai dit ici, par la suite, je pourrais plus y rejouer parce que c'est sur le Xbox Live tout simplement. Donc ça, l'Xbox Live, ça veut dire que c'est l'Xbox Live Gold, ça veut dire que c'est via abonnement. Et comme mon abonnement se termine le 19, ben ça veut dire, mais je sais pas à quelle heure, donc peut-être que je serai joué ou pas. Mais quoi qu'il arrive, je vais pas refaire une vidéo pour ça. Donc, j'ai fait justement exprès de faire une grosse vidéo de 1 heure ou 2, je m'en fous que ça dure 1 heure ou 2, je m'en prends. Je m'en ouf la quête. Ça veut dire que je m'en branle en version wouhou, hein. C'est mieux de dire wouhou la quête que m'en branle, parce que j'utilise mes propres mots. Du coup, je m'en ouf la quête, on s'en ouf la quête, tout. Et du coup, voilà, soyez wouhouteux, comme le joli pompon que je vais montrer plusieurs fois, qui est juste là. Je vais pas aller plus loin parce que j'ai pas envie de montrer mon nom, mon prénom en fait. Bande de petits coquinous. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien, bande de petites troutrues. De tout truc.